Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode de Crossout, en tout cas une vidéo découverte toujours, hein. Une deuxième vidéo découverte. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de temps pour découvrir un petit peu toutes les subtilités du jeu. Hop, vous pouvez voir qu'on a de la place à l'arrière, j'ai bien envie de voir si je peux pas mettre un moteur. Ça m'intrigue, un deuxième moteur. Hop, par exemple celui-là. Comment je le rotate? D'accord. Dans ce sens-là, ça me va. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Hop. Ok. Ce qui m'en fait deux. Ok. R. Non, c'est pas celui-là. Voilà, comme ça on les a plus ou moins dans le même sens. Ça fait mieux. Je sais pas si ça va marcher, on va bien voir, hein. Hop, test drive. On peut aller voir, hein. Ça va être facile. Est-ce que vous le sentez plus rapide, vous? Peut-être un petit peu. Donc on m'a conseillé de viser l'armement ennemi. Enfin l'armement allié, pardon. Enfin, les équipements. On peut dire ça comme ça, plutôt que l'armement. Directement les équipements. Et il paraît que ça fait beaucoup de dégâts. Et que ça rend les combats plus simples. Écoutez, je veux bien vous croire. Hop. On peut donc démonter le véhicule ennemi. C'est intéressant, hein. C'est sympa à regarder, remarque, hein. Ok. Et techniquement, la voiture elle sert plus à rien là. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ok, pourquoi pas. Le centre de gravité est toujours bien placé, c'est bon. Hop. Voilà. Escape et on est bon. Bon, écoutez, battle alors. Get the machine gun, get the shotgun. On n'a pas eu le shotgun, donc écoutez, on va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir. Crossout, craft. J'ai pas eu le temps de lire la suite, je me rappelle plus. Your car will be ready in the next round. Ils sont plus beaucoup de toute façon. Voilà, c'est fini. Parfait. J'ai hâte qu'on puisse se faire en fait un nouveau véhicule directement plutôt qu'une amélioration d'un véhicule déjà existant. J'aimerais plutôt faire des véhicules plutôt rapides, pas forcément tanky. Même si apparemment c'est pas véritablement le but du jeu. Hein, comme il n'y a qu'une seule vie par. Hop. Petit coup de klaxon. Hop. Commençons par là. Allez. Oh, plus qu'un point de vie. Dommage, on explose. D'accord. Ça aurait été assez rapide, somme toute. Kill assist quand même. Ok. Donc, je pensais qu'on avait un véhicule assez tanky. Finalement, non. C'est bon à savoir. Hein. C'est véritablement bon à savoir. Par contre, oui, apparemment, il y en a qui ont des roues de la mort qui tue. Hein. Enfin, qu'il y a une roue de la mort qui tue. Il en a qu'une comme ça en fait. C'est rigolo. Franck! Alors Franck! Bon. J'ai plus que 3 ennemis. Ça va être une victoire, hein, mais bon, on n'aura pas fait grand chose. Hein. Et c'est bien dommage. Mais le jeu est bon en soi. Hein. Le jeu est pas mauvais du tout. Hein. Honnêtement. Bon, il a quelques petits bugs comme j'ai dit la dernière fois, mais après, oui, non, y a, de la côté de ça, il n'y a pas. On a connu pire, hein, comme dirait l'autre. Hop. Je sais pas où est-ce qu'il va. Joli. Et donc là, ils vont finir par avoir The Stamp.
Non? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il y a des gens qui tirent sur quelque chose. Ça m'intrigue. Le voilà. Boum! Ah, The Stamp avait des shotguns. Ok, d'accord. Oui, bon, je me doute que j'ai pas fait grand chose de terrible. On gagne un tout petit peu de réputation. Faut vraiment falloir qu'on change de véhicule. Moi, je veux un véhicule rapide, chers amis. Par contre, ce truc-là, avec le gros canon devant, c'est épique. Ça fait très, en fait, plutôt sniper, en fait. Enfin, bon, ça peut être intéressant. On verra bien. Hop, hop. Hop, 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 d'accord. Donc en fait, je crois qu'on a 1, 2 personnages avec nous, peut-être 3. On verra. On verra, on verra, on verra. Ok. Oula. Ça ne fait pas de dégâts. Est-ce qu'il y a moyen de se remettre ? R, d'accord. Oula. On se fait tiroyer dessus. Hop. Ok. Dégage. Hop. Hop, voilà. Crac. Hop. On va attendre un petit peu. On va essayer de péter des roues. Hop. Deux. Il a plus d'armement que moi, et dommage. Il avait plus d'armement que moi. C'est ce qui lui a fait permis de remporter la victoire. Et son robot, son, enfin, sa voiture, oui, il faut que je prenne le coup. Sa voiture est pas si mal. Sa voiture est pas si mal. On peut voir qu'on a quand même beaucoup de fois le nombre, beaucoup de fois la même voiture en game. Ce qui est normal. Hop. On a gagné un moteur, on a gagné des scraps. Pourquoi pas, on continue, on continue, on continue. Tu sais que fuel barrel to get pétrole. Bah oui, t'es marrant toi. Ok, nouvelle map, on l'a déjà faite effectivement. On l'a déjà faite, on l'a déjà faite. On peut voir par contre que je suis 1100 quelque chose et tous les autres, la plupart sont 1900, vous voyez, on peut voir 1800. En face c'est pareil, 1900, 1600, enfin 1550. 2200 pour Connor. Et ça correspond plus ou moins, je pense, au rate du véhicule. Donc je crois que je pars avec des PNJ là actuellement, ce qui n'est pas... qui me plaît le plus, c'est honnête. What? Deux tirs. Et trois. Voilà. Je pouvais pas faire autre chose. What the fuck? Quand il tire, ça le fait partir en arrière. C'est génial! Oh! Lui aussi, là. Pas comme ça. Ça, c'est intéressant comme arme, chers amis. Boum! Par contre, oui, ils ont un niveau qui est bien supérieur au mien, c'est pas possible autrement. Boum! Oh, c'est épique! C'est complètement épique et boum, voilà, littéralement. Maintenant c'est lui qui a fait boum, ça va être une défaite. C'est vraiment pas mal comme jeu. Hein. C'est vraiment pas mal. Ça fait littéralement démonter. Non, c'est bon, il survit, oh là là. Tellement de talent, mais il va se faire défoncer là tout de suite. Et c'est fini. Plus d'armement.
C'est fini, on a perdu. Tant pis. Voilà, vous allez voir, ça va être rapide. Est-ce qu'il va se donner la peine de tirer ou il va lui foncer dedans? Oh là là. Ce combat d'IA. Ce combat d'IA. Ah ah ah, attention. Pouf. Voilà. Ça c'est beau. Ça c'est beau comme attaque, chers amis. All parts have been damaged. D'accord, c'est uniquement en cas de défaite de jeu que l'on... D'accord. Que l'on prend des dégâts sur la durabilité des composants. D'accord. Bon à savoir. C'est pas sur la destruction du robot, mais sur la perte de la partie. Je note, je prends note. Même si pour moi le principe de durabilité est nul, hein. Complètement nul, surtout sur un jeu où on doit farmer. C'est stupide. Mais enfin bon. Qui se pousse. Hop. Oh, trou du cul. Ok. Ok. Hop. On n'a plus qu'une roue à l'avant. Ah, faudrait que je touche, ce serait bien. Hop. Et dommage, il m'a détruit. Il m'a détruit. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, je pense que ça encore est une défaite. Malheureusement. Puisqu'Edward en prend plein la poire. Hein. Ils sont plus que deux face à 6 ennemis. Cette IA qui se défend comme elle peut. Elle va vite se faire défoncer de toute façon. Oh là là, l'IA qui se défend. On pourra pas tous les buter avant. Hein. Hop, joli. Mais tu pourras pas. Cherche pas, tu pourras pas. Une tentative quand même, hein. Oh là là. Cette fin de partie où le l'IA ne sait plus du tout quoi faire. L'IA qui sait pas du tout quoi faire. Pas du tout. Défaite. Bon. Je pense qu'il va être temps qu'on aille voir dans le garage. Oui. Vu que nos armes ont dû en prendre un coup dans le nez. D'accord, ça reste vert. Bon bah c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Build. Qu'est-ce qu'on a dans le truc? Light machine gun, ok. Peinture. Rien de bien magique, hein. Rien de bien magique. Ici, il y a quoi? T'as vu les prix? T'as vu les prix? Surtout que ça m'a mis à zéro. Market. J'ai rien de façon à vendre, c'est débile. J'ai rien à vendre du tout. Rien qui ne vaille du fric en tout cas. Ok.
Ok, bon, on va continuer les batailles alors. Y a pas du PVE? Ah, PVE. Ça coûte du fric. D'accord, requiert 3 ou 4 personnes, d'accord, donc j'imagine qu'il faut faire ça en groupe. Oh là là, il n'y a pas du PVE tout seul, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, enfin pas du PVE tout seul, mais du PVE avec du matchmaking automatique quoi. Ce serait bien mieux, bien mieux. Oh là là. Donc Mea Corp là, on est certain que c'est un personnage. Enfin c'est un PNJ. Lui je pense pas. Lui je pense pas. Boum! Boum! Bah si on peut être de leur côté, ça peut être cool. Si on peut être de leur côté, ça peut être cool. Boum. Ok. Bon. C'est plutôt une bonne nouvelle. Autocanon 20 mm, ça peut être sympa aussi ça. Mais moi c'est le gros canon que je veux, moi. C'est le... Pouf! Ça me plaît. Ça, c'est bon ça. Capturer la base ennemie. Bon, on va essayer de rester à côté des personnages. Potentiellement à côté de Slightly Mad Max. Vu qu'on est en face du fameux. Bah non, il est même pas là. Bon, on va bien voir. On va bien voir. On va essayer de côté. On va essayer de rester du côté de Slightly. Là, par exemple. On y va. Je te suis, t'inquiète. Ça permet en plus de passage de voir plus ou moins comment ça se passe. Ok. J'évite de me pousser comme un con. Hop. Ok. Tant que ça refroidisse. Ok. Hop. Reculer un petit peu. Oh la gueule! Aussi vite! Aussi vite! Ah oui, l'autocanon 20 mm, voilà. Mais on a même pas la même arme, on a même pas la même qualité d'arme. C'est stupide. Allez les mecs. Quoi? On n'a pas buté un seul? On a eu le gameplay le plus safe du monde et on n'en a pas tué un seul. Ça en fait 3 de buter chez l'adversaire. Dépêche-toi parce que quand lui il tire, il fait des dégâts. Hein. Défaite, ok. Ok, ils ont pris notre base en plus. Ok, bon bah écoutez, pourquoi pas. On a eu que des scraps. Oh là là! Scraps dont je n'ai pas encore compris à quoi ça sert véritablement. Hein. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, faut vraiment qu'on s'améliore et qu'on trouve de l'armement qui nous plaît, qui fasse des dégâts et qui nous plaise. Ça va véritablement devoir devenir une nécessité. Ok, on part déjà. Pas de soucis. Droudrou. Écoutez, je vais partir avec Droudrou. Si j'arrive à le rattraper un jour. Ok.
Hop. Voilà. Et 2-1. Hop. Qu'il assiste, c'est pas grave. Ok, on l'a touché. Oula. Aïe. Non. Meurs. Meurs. Ça y est. Hop les ennemis destroyed, voilà on l'a eu. Wouh. Putain c'est tanky en plus le canon, ça fait des dégâts monstrueux mais c'est tanky. Et on a récupéré un pauvre carjack, un stickers. Ok. On va revenir au garage. Faut que je comprenne. Ah. Niveau 4, fender, van roof, van window, van side, d'accord. Les ingénieurs sont des bons mecs mais sont des bons mecs. Mais ils ne laissent jamais les leurs derrière. Fais bien ton boulot et tu seras récompensé. Est-ce que tu as remarqué qu'on se balade toujours avec qu'on fait toujours nos corvées journalières avec nos amis et qu'on partage toujours les scraps avec ceux avec qui on les complète. Bah écoute, oui et non, on va dire oui et non. Store, d'accord. Exhibition. Ok, c'est très bizarre, mais ça, j'imagine que c'est oui, c'est un espèce de marché. Au niveau de l'armement, 5600, c'est pas grave. Ça peut être sympa par contre. Ça peut être sympa. Mais alors comment que je fais pour my offer, d'accord, j'imagine qu'il faut aller là dedans ouais, tout, absolument tout, sell for 4, voilà, 360, sell for 4, 360, ce qui fait que si je vais sur le market maintenant, on part dans armement, dans les moins chers. Merde. Aurais-je chié dans la colle? Bye. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté un truc. Maintenant. Garage. Build. Ah oui, c'est vrai. Je pense à ça aussi. Si je voulais, imaginons, hop. Track. Crack. Crack. Ensuite, rajouter le canon. Not enough energy. Not enough energy. Ça correspond à quoi ça, energy? Plus 8. Et donc si je vire tout simplement ça, est-ce que j'ai suffisamment d'energy? Non. Hop. Si je vire ça, je place ça un peu mieux. Est-ce que là, j'ai suffisamment d'énergie? Oui. Bon. Ça y est. On a quelque chose de sympa. À tester maintenant, chers amis. À tester. En battle. Get the shotgun. Faut espérer qu'on réussisse à l'avoir cette fois-ci. La partie vient de commencer. Génial. C'est pas grave.
C'est la guéguerre quand même, hein. Le tracteur qui est super stylé. Qui est super stylé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, chers amis, si vous voulez voir une série ou alors je ferai un petit sondage. Je mettrai série ou pas série. À vous de me dire. Et elle remplacera potentiellement. Comment ça s'appelle ? Mince. Lego Marvels. Vu qu'apparemment vous êtes très peu nombreux à avoir voté pour. Vous êtes aucun à avoir voté contre. C'est-à-dire vous êtes trois à avoir voté pour. Ce qui fait qu'en fait peu de personnes s'intéressent véritablement à cette série. Donc, bon, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que je vais faire un vote pour Lego Star Wars L'Éveil de la Force. Ce sera à vous de me dire si oui ou non vous voulez voir ce jeu sur la chaîne. Moi je suis fan de Star Wars, je suis fan des Lego, je suis fan des Lego Star Wars, je les ai tous. Donc maintenant ce sera à vous de me dire. Moi j'ai passé des heures avec mon meilleur ami sur Lego Star Wars. À avoir tout, des après-midi. Et maintenant ce sera vraiment à vous de me dire si oui ou non vous voulez ou pas. Bon, c'est la fin. C'est la fin, on aura suivi le meilleur robot de. Enfin, le meilleur tracteur du jeu. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir les possibilités d'amélioration que. Enfin, de création qu'il y aura dans ce jeu, quoi. J'ai véritablement hâte de le voir. Allons-y, c'est à nous, chers amis. C'est à nous. On a un pauvre canon moisi de base, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Allons voir. Quand même monté assez haut là. Hop. Ok, on a que 12 tirs de canon. D'accord. C'est. Honnêtement, ça m'embête. Ça m'embête énormément. Puisqu'en fait. D'accord, le canon est un peu plus long à se mettre en place en plus. D'accord. Ok, merci Mathieu. C'est toujours sympa de se sentir aidé par les copains. Merci. Laisse-toi, tu me saoules. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Hop, les touché. Non? Boum, là j'ai touché. Voilà. Oh. Dégage. Oh là là. Touché. Rappel. Ok. Dommage. Oh. Hop, touché. Raté. Hop. Allez, meurs. Voilà. Ok, on s'en sort pas trop mal. Ce canon change tout, hein. Touché. Raté. Hop. Oh. J'ai plus de tir de canon. Tu veux bien crever? Voilà, kill assist, génial. C'est moi qui me tape l'assist. Et ils l'ont eu, génial. Parfait, blaster. Ok. Qu'est-ce que c'est? Radio. D'accord. Et des scraps. Moi, c'est le shotgun que j'aimerais, s'il vous plaît. Si c'est possible d'avoir le shotgun, ce serait cool. Depuis le temps qu'on le fait. Alors là, le tout reste à savoir si on va avoir 12 tirs de canon dans cette partie-là aussi. Ce serait cool.
ou s'il faut racheter des munitions pour une, avec une façon, d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui m'intriguerait le plus. Non, oh putain. Oh, les IA sont un peu moisies. Et quand je dis un peu, c'est pas pour dire beaucoup. Mais bon, c'est le début du jeu, on est en early access. Ça, c'est vraiment bête. Voilà. Ouf. Ouf. Et je vais crever, hein. Ok. Me fais pas d'illusions, je vais crever, chers amis, mais je me serais battu. Je me serais battu, rien à foutre. Il y en a qui ont pris des dégâts. Il y en a qui ont pris de gros dégâts. Allez, les potes. Dépassez-vous. Tiens, bouffe ça. Oh, 26 de dégâts par tir. Moi, j'en fais que 7, hein, chers amis, je précise. Ça va être serré comme game. Ah non, ça va. Ça va, c'est une victoire. C'est une victoire. En général, en règle générale, c'est une victoire. Maintenant, ils ont des véhicules très très lourds. Ah, parce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre, parfait. Oula, il te manque une roue, toi, à droite. Tu vas pas aider tes potes? D'accord. Oh, la gueule. Pourquoi l'IA de mon côté, enfin, du côté adverse, ça fait jamais ça? Sergueï! Vas-y, défends Sergueï. Il le mérite. Sergueï est un bon camarade. Il se fait tirer dessus. Par Samantha. Ok, ça c'est beau ça comme tir, ça reçu là. Ok, Sergueï commence à en chier, il sent le cramer. Bon. Alors, allez-vous réussir? Oui, ça y est. Nous sommes des conquérants, apparemment. Si vous le dites. On a eu une radio, non, un radar, un petit radar. Waouh, génial. Moi, j'aimerais surtout avoir le putain de shotgun. Mais bon. On va faire plus attention à la façon dont on se bat, ce sera déjà pas mal. Ce serait peut-être pas mal. Ok, par contre, il y a peut-être un petit peu trop de temps à l'attente entre chaque partie. Compte tenu du fait qu'on puisse mourir rapidement. Et je pense que ce sera la dernière game de ce deuxième épisode découverte. En plus, on a le canon, donc c'est plutôt une bonne chose. Même si on a pris le canon le plus moisi du jeu, désolé. Hop. Ce serait bête de se faire défoncer connement. Oh la vache! Oh! Oh mais non, mais je tire devant! Ok. Oh mais non, mais... Mais non, mais je tire au bon endroit! La précision de ce canon, c'est naze! Oh la gueule! Oh bah oui, bah tu m'étonnes! La précision du canon, c'est quoi ce bordel?
À quoi ça sert d'avoir un viseur s'il tire devant toi déjà de base? Et surtout s'il vise pas là où t'es censé viser. S'il faut que je sois au cac pour tirer avec un canon longue portée, c'est plus un shotgun qu'un cac alors. Et encore. Allez mec, allez les bleus, on est tous ensemble. Allez. Bon bah Alexis, désolé, t'étais venu mais t'as perdu. Emma, non, la malle, pourquoi pas. Ah non, c'est pas la malle, c'est Méanique. Il a mis des lames de transpalette devant lui. Qu'il a bien pensé à affûter avant. Par contre, on va se faire défoncer notre base, hein. Vous êtes au courant de ça. C'est fini en fait. Vas-y, fonce-lui dessus. Oh mais merde. Voilà. Bah, de toute façon, t'es tout seul, ils sont deux et c'est deux joueurs. Donc t'es mort. Alors est-ce que ça va faire une égalité ou pas? Je pense pas. On va avoir perdu, bêtement. Voilà. Ok, bon bah, on va en faire une dernière, pour le plaisir, On va essayer de s'approcher un peu plus près avec le canon. Même si honnêtement, je suis assez déçu du canon, compte tenu du fait que je pensais que c'était plus un sniper qu'un espèce de shotgun longue distance là. Enfin, qu'un truc très peu précis quoi. Qu'un canon quoi. C'est parti. Hop, allez, on monte la côte. Hop. Des tirs, donc c'est pas bon. On est clairement pas au bon endroit. Non, on voit pas ce que je touche. Dégage. Hop. Oh la gueule. Je le vois pas. Hop, et de une arme. Hop. De deux armes. Donc lui il est mort. Merde. Ok. C'est sûrement un pote qui est mort. Je suis pas tout seul, mais presque. Je peux plus me diriger de toute façon. Hop. Et on est mort. Bon. Ok. Il avait un canon plus performant que le mien. En plus, turret de canon. Bon. C'est une défaite. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave.
Donc le canon qu'on a n'est pas précis du tout. Les scraps, je ne sais pas trop quoi en faire. Oui, j'ai reçu une radio, génial. D'accord. Market, store, non. Les scraps, j'en fais quoi? D'accord. Ok. Ok. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un nouveau châssis. Market. Châssis. Hop. D'accord. 172, bah putain, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte cher. Je capte pas vraiment encore comment on se fait du pognon dans le jeu, de toute façon. Est-ce que tu peux te barrer, toi? Merci. Ah, ça se vend pour 10. Ça se vend pour combien? Pour 4. D'accord. On va essayer de poser celle-là à la place. On va voir si c'est mieux, hein. On verra bien. 8 points d'énergie sur 8. Faudrait qu'on voit aussi ce qui nous donne de l'énergie. Energy drain, d'accord. Power, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, par exemple? Si je veux prendre ça. Non. Comment je fais pour descendre? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Maintenant, si je fais clic droit, ça va partir. D'accord. Intéressant. Et au final, on trouve rien du tout, quoi. Faut être niveau 5 pour avoir. D'accord, on aura accès à ça, ensuite à ça. Ensuite à ça, d'accord. Et si je vais chez alors, manufacturing. D'accord, oui, c'est vrai, exact. On peut faire de la création de choses. Par exemple, ceci, il me faudrait plus de scraps et ça, copper. Où est-ce que j'en trouve du copper? Niveau 7 requis, d'accord, ok. Je vais me faire entuber, merci. Pick-up cabine, ça m'intéresse pas. Ah oui! Donc, imaginons que je veux créer ça. Hop. Voilà. Je le récupère. Je suis prêt à l'ouvrir. Alors, combien je trouve. Comment je fais pour l'ouvrir? Storage. Attendez, on va essayer de le faire. Open. Voilà. Et donc, on tombe sur. Un objet? Oh putain. C'est la dèche. Weapon Radiator. Oh putain. Ça se vend à prix de merde en plus. D'accord, ok, génial. Bon, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, donc pas spoiler la merde à la chaîne. Vous pouvez aussi donc aller en haut à droite, en moment de la vidéo, vous trouverez tout simplement un sondage. Normalement, si vous voulez voir que ces vidéos découvertes devaient être une série, à la place, donc... de Lego Marvel's Avengers, je pense que je vais faire ça comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Merci aux développeurs du jeu de m'avoir offert cet accès à la bêta fermée. Merci à eux, merci à vous de m'être suivre, chers amis. Et merci à vous pour votre fidélité et votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.